Avec l'application de la politique de réforme et d'ouverture lancée par le gouvernement chinois en 1978, de plus en plus de touristes étrangers viennent visiter la Chine. La Chine a dû construire beaucoup d'hôtels pour les accueillir, mais très vite on s'est aperçu qu'il fallait aussi construire beaucoup de toilettes dans les sites touristiques comme dans les endroits publics. C'est non seulement pour les visiteurs étrangers, mais aussi pour les Chinois qui commençaient à se déplacer plus fréquemment et plus massivement dans ce contexte de boom économique. Aujourd'hui, dans les villes chinoises, vous trouvez facilement des toilettes publiques dans la rue ou dans les endroits publics. Elles sont toujours très bien construites et surtout très bien entretenues pour rester tout le temps propre. Avec le tourisme de campagne de plus en plus développé, même dans des villages, on construit des toilettes publiques. Un touriste qui se promène dans un village ne risque donc pas de se retrouver dans une situation embarrassante.